Si vous suivez l'actualité du secteur, vous savez qu'il existe désormais trois mots magiques pour séduire le candidat acquéreur. SUV, attrait fiscal et électricité. Le Mitsubishi Outlander PHEV ou PHEV en français réunit ces trois ingrédients. Et autant dire que la mayonnaise prend puisque le modèle est le plug-in hybride le plus vendu sur le vieux continent. Avec sa nouvelle mise à jour, le Outlander PHEV entend bien le rester. Nouvelle calandre, feu redessiné et bouclier remanié, le style s'offre une cure de jouvence. À l'intérieur, on épingle la présence de matériaux plus cossus, un nouveau dessin de tableau de bord et de nouveaux sièges avant. Notez l'évolution la plus profonde est invisible à l'œil puisque technique, mesurée à 46 g de CO2 par kilomètre selon le nouveau cycle WLTP, ce Outlander PHEV restera déductible à 100% pour les entreprises, même après 2020. En Flandre, le particulier profite quant à lui d'une exemption de taxes de circulation et de mise en circulation. Sous son capot, le nouveau Outlander PHEV accueille un 4 cylindres essence 2 litres 4, plus puissant et plus sobre. Il épaule deux moteurs électriques, également plus puissants, chacun prenant place sur son essieu, un à l'arrière et l'autre à l'avant. Le modèle revendique jusqu'à 54 km d'autonomie en conduite 100% électrique. Mais cette information est purement théorique puisque ce Mitsubishi retient automatiquement le mode de conduite le plus adapté aux conditions de circulation. Le freinage régénératif est aussi de la partie et recharge la batterie en permanence. Voilà qui permet de disposer à tout instant de ressources électriques en suffisance pour réduire significativement les consommations de carburant. Il faut d'ailleurs préciser que ce Mitsubishi Outlander PHEV dispose d'une architecture atypique conçue comme un véhicule électrique auquel on est venu ajouter par la suite un moteur essence et un générateur, contrairement à la plupart des concurrents plug-in hybrides conçus au départ d'une base thermique. Là où il se différencie aussi, c'est par son prix. Avec une entrée de gamme à moins de 40 000 euros, un tarif des plus compétitifs chez les plug-in hybrides.